j'ai ce que je désire. Le meilleur et le pire, la vie dorée et l'envie de partir. On dit que j'ai de la chance, mais je pleure en silence sur mon grand lit et sur mon avenir. Derrière mes grimaces, on ne voit pas la trace de ces envies qui déchirent le cœur. Hurle monsieur d'en face, le jeune homme qui passe pour un instant d'amour, pour un quart d'heure. Tu es parti et je reste là, je reste seul, seul avec moi. De ma vie seule chez moi. Voilà ma vie en rose, faire toujours la même chose en suivant le chemin qu'on m'a tracé. Comme toutes les femmes, j'ai le même programme, et aujourd'hui, madame, à la télé, personne ne suppose que je pense à des choses, que j'ai parfois envie de voyager. C'est fini l'aventure, malgré moi je suis sûre que rien jamais ne pourra m'arriver. かれはどこかを探くていい男。私の心に愛が燃えたのは夏の日よ。髪の毛直してマスカラつけると笑うかね。 Monsieur Quito, pardon, excusez-moi, arrêtez. Est-ce que j'ai bien prononcé le mot sanakte, c'est ça, non? Si j'ai bien compris, les U en japonais deviennent des E. C'est bien, c'est ça? Dalida, vous chantez souvent en japonais? Oui, cela m'arrive, c'est un peu difficile pour moi parce que je ne comprends pas le japonais et bien sûr je ne le parle pas. Mais avant d'enregistrer une chanson, je me fais expliquer les mots pour que je puisse l'interpréter, bien alors sûr. Un japonais vient vous aider ici. Hein? Oui, c'est un étudiant japonais qui est dans la cabine d'ailleurs. Dites-moi, comment s'appelle la chanson que vous venez de chanter? Quel est le titre en japonais? En japonais, c'est Yuhasai no Natsu, ce qui veut dire il venait d'avoir 18 ans. Est-ce que c'est une chanteuse difficile pour vous par rapport aux autres avec lesquelles vous enregistrez? Non, pas du tout. Combien de langues parlez-vous? Je parle 4 langues, c'est-à-dire le français, l'italien, l'anglais et l'égyptien. Je comprends 5, c'est-à-dire l'espagnol, et je chante en 7 langues. Con que gran emoción, todas en la estación, sacamos los pañuelos en el adiós, y rezamos por él. Porque quiera también América rendida a sus pies. Dalida, nous sommes chez vous à Paris, à Montmartre, sur votre terrasse. C'est agréable de posséder une terrasse. Oui, c'est très agréable. Je suis dans cette maison depuis 13 ans. La première fois quand je l'ai vue, j'ai toujours aimé Montmartre. Et puis quand je suis rentrée dans cette petite ruelle, je ne dirai pas le nom. J'ai trouvé que c'était tellement calme, tranquille, paisible, que j'ai tout de suite acheté cette maison-là. Que je recommence un peu chaque matin. Ma vie, je la chante debout sur les planches, sous la lumière blanche des soleils fabriqués. La roue
route qui mène au fond de soi-même, de joie et de peine, est toujours tracée. Je tourne la page pour d'autres voyages, je plie les bagages de mes souvenirs. Je vis maritalement depuis 2 ans avec un être que j'aime, Saint-Germain. Et puis je trouve que c'est la moindre des choses que nous faisions ensemble, quand on peut le faire bien sûr, d'échanger le décor, d'échanger, de faire ensemble la maison telle que nous l'aimons. Cuando allá llegó, a todas les gustó, ya llega, y ya... Vous aimez le jardinage? Oui, je ne m'y connais pas tellement, mais enfin, j'aimais quand même, oui, oui, j'aime. J'aime. Pues nada más llegar y al descanso, da tal luna cabrede, oh sole mio. Dis-moi, quand j'aurai mes cousins? Ah, quand la couturière aura fini de les coudre à la main. Non, non, mais vraiment, quand? Parce que j'en ai mal. C'est comme ça dans le chantier. Non, mais ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver? Oui. Ça fait 3 mois que tu me dis que ça va arriver, non, ça va arriver jamais. Non. Mais de toute façon, on ne peut pas faire vite et bien, c'est pas possible. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai, on va faire vite et bien, mais quand même. Quand on commence à faire des travaux dans une maison, alors là, mon Dieu, ça fait 4 mois que nous sommes dans les gravats, le plâtre, la poussière, enfin maintenant ça arrive à sa fin, vous allez voir. Il n'y a pas encore de meubles, il n'y a rien, on a tout changé. Parce que je trouve que c'est plus délicat quand on refait sa vie avec un homme qu'on vit ensemble depuis 2 ans, de faire ensemble les choses, de vivre dans un cadre qu'on a choisi ensemble. Là, nous sommes dans ce que nous appelons la galerie, parce qu'il y a ce panneau avec tous les tableaux de Richard. Je dois dire que moi, j'aime beaucoup sa peinture parce qu'elle est profonde, il y a beaucoup de profondeur, les couleurs sont très belles, et puis il y a un mouvement. J'aime la façon qu'il peint. Et il y a beaucoup de lumière. Ce sont des paysages de Beauce. Il n'y a pas tous les tableaux, là, bien sûr, parce que quand même, il y en a d'autres à l'atelier en bas. Mais je suis très marqué par la Beauce. J'ai passé 14 ans de ma vie. Je ne veux pas de toile avec un horizon. Je ne veux qu'un horizon, plutôt, mais je ne veux pas être limité par un objet. Il faut que les gens puissent s'évader, s'éloigner dedans. On doit rentrer dans une toile. D'ailleurs, moi, j'aime bien les ciels de Richard, parce que tout à l'heure, je disais que j'aimais les visages. Et je trouve qu'un visage, c'est comme un paysage, ça change. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce ciel. Songe alle 8 e devi andare, anche stavolta tarderai, aggiusta il nodo alla cravatta. C'è un mio cappello sulla giacca, son sempre qui quando mi vuoi, non far quell'aria triste, dai, potrebbe anche farne un dramma. Tua moglie, lei in cucina e tu di là, seduto in faccia alla TV, dopo 6 anni spesi in 2, tu la sopporti e lei ci sta, non far vedere che sei giù, porta ogni tanto qualche fior, anche se a volte lei ti pesa, tua moglie. Mais vous savez, je ne suis pas très très attachée aux objets. Ils sont là, bon, parce que dans une maison, ça fait joli. Mais c'est surtout les têtes que j'aime. Vous avez un buste, là? Oui, là, il y a un buste. C'est un guerrier assyrien. Et surtout, j'aime une statue que j'ai ramenée moi-même de Darjeeling, à la frontière de l'Himalaya. C'est un Bouddha tibétain. Et là-dessus, il y a des objets, ce sont des objets qu'ils ont, d'après la personne qui me les a vendus, parce que je n'y crois pas tellement, et qu'ils ont 3000 ans. Là-bas, il y a un miroir. C'est ce que moi, je pense être un miroir. Parce qu'à le voir comme ça, cet objet-là, je me suis dit, c'est possible que ça soit un miroir. À l'époque, il devait être poli.
qu'il est belle de le saigner dedans, bien sûr. Il est 8 heures à peine et la maison s'éveille. Une radio chante chez le voisin. Quelle est votre pièce préférée dans cette maison? Eh bien, avant, parce qu'encore dans celle-là, dans la décoration, je n'y vis pas encore. Nous sommes de passage, en transit, on va et vient. Avant, c'était le petit salon, il y avait une bibliothèque, parce que j'aime beaucoup les livres. Avec une cheminée, d'ailleurs la cheminée est restée, la bibliothèque elle reviendra sûrement. Mais sinon, pendant les travaux, je me réfugie là-haut dans ma chambre, j'ai une autre bibliothèque avec les livres que j'aime. Vous avez beaucoup de livres? Oui, je trouve qu'ils sont des compagnons extraordinaires, ils sont très fidèles, ils sont toujours là. Ils ne vous trompent pas. Et je reste là, je reste seule, seule avec moi. Toute ma vie, je la passe là. Je reste seule, toute seule chez moi. Bonsoir. Va. Gérard est en vacances. Ah bon? On peut se mettre là? Oui, bien sûr, je crois. Alors, j'ai des amis qui ont un petit restaurant, le Bistrot du Port. Alors, de temps en temps, nous allons là-bas, mais nous sommes pantouflards tous les deux. Alors, on aime bien rester à la maison. Vous bien. Dich fort die Tränen, Tränenspuren, sein Denken. Das Tor steht offen und die Freiheit lacht. Wenn auch der Regen noch fällt, es ist schön auf der Welt. Arrête. C'était ça? Rosemary. Tu sais, Constantin, moi je crois qu'on a bien fait de changer ce bleu. Tu ne penses pas? Oui, c'est un couleur de compliment. Ça faisait plus décor avant. Ah, mais... c'est vrai. Oui. Hein? Mais maintenant c'est chaud comme ça. Oui. Par contre, ça va faire joli avec les en coussins. En compliment. Hein? En coussin, les doubles rideaux là-bas en bleu. Les coussins sont en beige. Oui. Et puis on va pouvoir jouer aussi avec des rouilles, des marrons. Des... quelques accents de cette couleur-là. Ça fera joli ça. Oui, hein? Oui, avec un faisceau de lumière. Presque toute votre maison est dans les tons marrons. Pourquoi avez-vous choisi cette couleur? Il n'y a pas de pourquoi, je crois que simplement j'aime cette couleur. J'aime le marron, j'aime le blanc, j'aime le crème, j'aime le beige. J'aime toutes les couleurs qui coulent du marron. Vous êtes souvent chez vous? Quand je ne travaille pas, tout le temps. Et je suis arrivée à organiser ma vie de façon que je peux rester longtemps à la maison, même quand je travaille. Je ne veux plus comme avant. Avant, je faisais 200 galas par an, c'était énorme. J'étais tout le temps dehors et puis maintenant, j'en fais beaucoup moins. Je fais les choses que je pense être intéressantes pour ma carrière, mais pas plus. Oui, mais il y a un certain moment, tu aimes ça, Bruno? Parce che là tu l'entends qu'il n'est pas tout à fait, allora il n'a pas mis au niveau, il n'y avait pas assez. Sì, ma non è bene, ti prego, ma no, no. No, no, io preferisco. No, je vais le refaire. Ma je crois que je vais le refaire. Ma vie, je la chante, je suis à mi-chemin. Qui m'écoute me croit, qui n'y croit pas, s'en va. Mes nuits, je les donne. À ceux qui m'étonnent, le ciel me pardonne, je ne sais pas tricher. Une maison, eh bien, en profondeur, c'est notre soi, finalement, c'est le reflet de soi-même. C'est très important, c'est un peu le ventre de la mer, c'est un peu tout ça, on se réfugie. Ma vie, je la chante, parfois je l'invente, sur les chemins sombres de l'éternité.